cet homme fan. J'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour une vidéo haul de ce que je me suis acheté de moi en vacances, de ce que j'ai reçu de ma famille, etc. Donc, ouais, je suis très content de reprendre les vidéos car j'étais en vacances et je n'avais pas le wifi. Donc, je ne pouvais pas vous poster de vidéos. Mais je suis très contente de revenir. Donc voilà, on va tout de suite commencer. Donc mon premier objet que je me suis acheté, c'est tout simplement, pour ceux qui connaissent, voilà, c'est ça. Donc c'est un Nerf Laser Ops. C'est tout simplement un blaster comme ça. Mais c'est pas comme un vrai Nerf, donc ça n'envoie pas des munitions. C'est par distance, vous voyez, donc j'en ai deux. C'était vendu dans la boîte. C'est comme un laser game, c'est tout à fait la même chose. Sauf que tu peux jouer chez toi, en extérieur, où tu veux. C'est vraiment génial. Moi, j'y joue presque tout le temps, tellement que c'est chouette. Donc vraiment, j'adore ces jeux. Vraiment, je trouve ça trop cool. Donc, on va passer au deuxième objet. Alors, le deuxième objet, je l'ai reçu de mes grands-parents. Et donc, c'est tout simplement, vous l'avez déjà vu pour mes DIY, c'est tout simplement de la pâte. Comme ceci. Oups. Donc, voilà. Tout simplement de la pâte, comme ça. J'en ai trois. Donc, voilà, j'aime beaucoup cette pâte. Elle est très facile à modeler, tout ça. Moi, c'est la pâte que je préfère pour faire des DIY. Il y en aura bientôt sur la chaîne. Car vous allez voir, j'ai reçu beaucoup de pâtes. Donc, il y aura plusieurs DIY qui vont bientôt arriver. J'espère que ça vous plaira. Prochain objet. Alors, le prochain objet, je suis assez content. C'est de nouveau de la pâte. Mais c'est de la pâte Fimo. Donc, j'ai pas toutes les couleurs. Donc là, j'ai du mauve. J'ai du brun et j'ai aussi du blanc, voilà. Et donc voilà, j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup manipuler la pâte Fimo et c'est très très chouette car c'est il n'y a pas très longtemps j'ai appris à faire de la pâte Fimo et j'adore ça depuis. Donc j'aime vraiment beaucoup ça, c'est très très chouette. Donc vous aurez sûrement aussi des DIY sur la pâte Fimo que je ferai bientôt. Donc ouais, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît les DIY en mettant un pouce bleu et partager la vidéo. Donc voilà, on va passer au prochain objet. Alors le prochain objet, je vous ai pas tout pris car j'ai tout un bac rempli de cet objet. Donc, c'est tout simplement un bac rempli de peinture. C'est tout, tout simple. Mais là, beaucoup de couleurs que je n'avais pas, comme le beige et que j'aimais beaucoup avoir. Donc, j'ai tout un bac avec plein de couleurs. Et ça, c'est génial. C'est génial à faire. Donc, je suis très content d'en avoir autant. Je pourrais vous faire des DIY, évidemment, car j'en avais beaucoup que je voulais faire. Mais je n'avais pas la peinture qui collait au DIY, donc c'est vraiment super cool. On passe au prochain objet. Alors, donc, le prochain objet, c'est tout simplement, comme je vous l'ai dit, c'est de la pâte. Alors, j'ai jamais utilisé cette marque, donc je verrai si elle est chouette. Mais je crois que c'est Darwi, donc c'est la même que l'autre. Et ben j'ai hâte de faire un DIY avec. Donc j'ai plein de couleurs différentes. Comme ça, j'ai du jaune, du bleu, du mauve, du vert. J'ai toutes les couleurs. Donc voilà, ouais, j'aime beaucoup. C'est très chouette. Donc je pense que je pourrais m'amuser avec autant de pâtes. Alors on arrive au dernier objet. Mais c'est donc l'objet d'une boîte. Mais dans la boîte, il y a plusieurs choses que j'avais très très envie d'avoir. Je l'ai aussi reçu. Dedans, il a tout simplement des accessoires pour travailler la pâte. Et j'adore ça parce que ça fait longtemps que j'ai très envie de les avoir.
Voilà, j'ai tout cela. J'ai cela. J'ai aussi des comme ça. J'adore vraiment. Je suis très content parce que ça va sûrement beaucoup m'aider dans les DIY. Et donc, j'ai extrêmement hâte de vous filmer tout ça. Vraiment, j'adore faire les DIY. Donc voilà, j'espère que vous aimez. Donc la vidéo se termine ici. Je suis très contente d'avoir refait une vidéo, car ça me manquait. Ouais, donc ça me manquait beaucoup. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo. Je vous remercie d'être aussi nombreux à vous être abonnés à moi. Donc on est déjà 25 abonnés, bientôt 30. Donc je suis très content, merci beaucoup. Et pour le son, je sais que c'est pas top, mais un petit micro-cravate va bientôt arriver pour que vous entendiez mieux ma voix. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine.